voir de façon exhaustive les anomalies et ou étudier les gros vaisseaux, mais également les cavités cardiaques. Donc, en conclusion, nous dirons que la radiographie standard du thorax constitue la première étape. Son rôle, c'est le dépistage, mais parfois permet de poser le diagnostic. Et que dans certaines situations, lorsqu'elle est insuffisante, donc on peut demander une imagerie en coupe avec injection de produits de contraste tels que la tomodensitométrie et l'IRM. Et en fonction du siège des lésions, donc on peut préférer soit le scanner et ou l'IRM. Mais dans un contexte carcinologique, on peut réaliser le PET scan en complément pour rechercher, pour faire un bilan d'extension de façon exhaustive. Donc, sur ce, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Yacine. Oui, professeur. Avez-vous des questions? As-tu des questions d'abord? Oui, j'ai deux questions. Merci pour le cours. Très Maintenant, bien, c'était par oui. rapport au thymus. Par rapport au Oui. thymus, jusqu'à quel âge on peut voir le thymus sur la radio du thorax? Jusqu'à quel âge chez l'enfant? Jusqu'à 3 ans, on peut voir. L'évolution commence à partir de la première année et va durer progressivement jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais des fois, ça, c'est une A. En fait, c'est un âge qui est, en fait, c'est un moyen, c'est en fait, c'est une moyenne. Donc, il y a certains patients où ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et d'autres, ça va arrêter à 3 ans, 3 ans et demi. Mais ce qui est important, dès que vous voyez un thymus, c'est les caractéristiques de ce thymus que vous allez vous intéresser. C'est-à-dire, nous, quand on reçoit une suspicion, probablement soit une masse médiastinale et tout, si on n'est pas convaincu devant la discordance, devant l'aspect de la masse, ou bien la taille de la masse et la clinique, là, on peut dire attention. On peut réaliser une échographie complémentaire pour nous dire, attention, ce qu'on voit sur la radiographie standard, ce n'est rien d'autre que qu'un thymus. Parce qu'il n'y a pas d'effet, l'aspect est homogène, régulier, pas de compression, pas de déplacement, pas d'épanchement. Donc là, on peut te dire que là, on est devant un thymus. Mais par contre, il peut y avoir des lésions qui peuvent se développer aux dépens des thymus. Et dans ce cas, ce thymus devient symptomatique. Le patient devient symptomatique. D'accord. Ma deuxième question, c'était par rapport à l'atelectasie. Ouais. Parce que moi, j'ai des difficultés à différencier l'atelectasie d'un foyer infectieux. De condensation. Oui, de condensation, oui. Mais dis-moi, toi là, donc si tu es devant une image, tu dis que en fait, tu peux penser à une athlète sur quelle base? Quels sont les éléments? Même si tu n'as pas tu as des difficultés, mais dis-moi à peu près toi, qu'est-ce que tu entends par atelectasie? Quels sont les éléments que toi, si tu les vois, tu peux dire, ah, probablement c'est une atelectasie et ou une condensation. Moi, c'est tout à fait le contraire, hein, parce que d'habitude, bon, une fois au service, on a eu un nourrisson donc, qui présentait une bronchiolite avec un foyer pulmonaire. Nous, on s'est dit que oui, effectivement, c'était un foyer infectieux, donc une condensation pulmonaire. Mais après, quand on a demandé un avis, on nous a dit que c'était une atelectasie. Donc, ce n'était Très bien. pas du tout une condensation, mais c'était une atelectasie. Pour moi, c'est le problème, c'est que moi, j'arrive pas à reconnaître le télécrédit du tout. Comment tu avais décrit le foyer? Yacine. Oui. Comment tu avais décrit le foyer? Comment était le foyer? Comment tu l'avais décrit pour dire que c'est une condensation? Quels sont les éléments qui t'ont poussé à dire que je suis devant une condensation? Tu as vu quoi et quoi et quoi? Juste, c'était un foyer qui était au lobe supérieur du poumon droit. Les C'était contours, comment étaient les homogène. contours? Les Oui, contours, oui. c'était quand même régulier. C'est des contours Voilà. réguliers.
Très bien. Et c'était homogène. Et Et il n'y a effectivement, pas de bronchogramme. il n'y avait pas de. Non, il y avait, effectivement, il n'y avait pas de bon programme. Voilà. Donc, c'est exactement ça parce que la condensation au début, quand tu as une compression, donc cela dépend du degré de compression. Si la branche qui est comprimée, la compression, elle est complète, donc au début, il va y avoir un phénomène de piézage et qu'un défaut d'expansion. Donc, dans ce cas, donc l'air qui va rentrer ne va pas sortir. Donc, du coup, on a un aspect un peu emphysématique. Après, au fur et à mesure, donc, il va y avoir un affaissement. Donc, quand on a un affaissement, là, les alvéoles ne vont plus se distendre. Donc, ça dépend du type de segment. Si c'est un segment qui est en fait un segment supérieur ou bien lobaire ou bien segmentaire, donc tu vas voir en fait une anatomie qui est précise, c'est que l'opacité est bien systématisée. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rechercher s'il existe ou pas des bronchogrammes aériques et ou des alvéologrammes. Et où l'élément le plus important ici, c'est qu'il faut regarder les contours. Si les contours sont rectilignes et non pas bombés, et parfois même on a un aspect rétractile, là on est devant une atélectasie. Maintenant, quand on est devant le syndrome alvéolaire, c'est que en fait c'est un remplacement progressif de l'air au niveau des alvéoles. Donc, la lésion au débit n'est pas homogène, la lésion est plus ou moins hétérogène, du fait que au niveau de certains endroits, il y a toujours de l'air. Donc, c'est ce qui confère à la condensation au début ces contours qui sont flous et son caractère inhomogène. Maintenant, au fur et à mesure que le produit occupe la totalité des bronches, des alvéoles, et là, ça va percer les bronches, c'est-à-dire la lumière bronchique. C'est pour cela, quand on va réaliser la radiographie, on verra l'aspect, les bronchogrammes aériens. Et que, tu peux lui dire que, en fait, quand il y a un processus occupant, donc les bords, au lieu d'être rectilignes, sont un peu bombés. OK? Donc, ce sont ces éléments-là qui vont t'orienter vers une condensation alvéolaire. Mais par contre, des fois, le diagnostic est difficile. S'il y a une interposition de certaines structures, ou bien on ne voit pas un aspect qui pourrait dire, qui pourrait faire en fait le distinguo entre un comblement qui est secondaire à une obstruction ou autre chose. Donc, dans ce cas, c'est dans l'évolution qu'on se rend compte que, ah, attention, ce qu'on avait pris au début comme étant une condensation alvéolaire, c'est juste une atélectasie. Parce qu'il y a une réexpansion d'abord des alvéoles ou bien du poumon ou du segment. Donc, cela aussi, c'est important. C'est pour cela, dans les cardiopathies congénitales, il est important de faire un bilan vraiment, un bilan exhaustif pour rechercher s'il n'y a pas de structure vasculaire qui comprimerait les bronches et être à l'origine d'un prolapsus. C'est très important. Mais sur ce terrain aussi, il peut y avoir des infections, une surinfection avec en fait une formation ou bien une condensation alvéolaire qui se développe. Donc, il est important aussi, dans ce cadre, avant même de faire une opération, une intervention, de faire une cartographie vasculaire qui pourrait aider vraiment à une meilleure prise en charge. Donc, mais il faut venir au service. Je vais t'expliquer, voilà, de façon beaucoup plus large, quoi. C'est quoi une condensation? Et des fois, il y a des signes. Avec l'expérience aussi, il y a des astuces que on pourrait te filer, quoi. Et là, tu seras beaucoup plus à l'aise. D'accord, professeur, merci beaucoup. Je vous en prie. Pas d'autres questions, je vois pas une autre main se lever. Inès est là? Oui, professeur, je suis là. Vous n'avez pas de questions? Non, prof, non. Peut-être juste une petite, je sais pas, par rapport au piège. Parfois, on a certains pièges radiologiques, surtout on est contre.